Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer ma série sur les pirates. Nous allons partir au Kenya, voir de la marine française en train de protéger des navires, et nous allons partir également au Somaliland, où j'ai rendez-vous avec des mecs un peu bizarres. Nous sommes fin 2007. Des navires sont tout le temps attaqués par des bandes de pirates dans l'océan Indien. Ils opèrent à partir du Puntland, qui est une province autonome somalienne, où les extrémistes Shebab se sont installés. Mais la piraterie n'est pas le fait des extrémistes Shebab, mais des pêcheurs somaliens. Direction le Kenya et en particulier le port de Mombasa, où le programme alimentaire mondial envoie des bateaux pour la Somalie. Car la famine est grande en Somalie. Ces navires sont attaqués régulièrement par les pirates, qui voient dans cette cargaison de sacs de riz une possibilité de revente rapide à la population en manque de tout. Cette fois-ci, une corvette française va les escorter. Alors, chargement des sacs, il y en a des milliers, où il est inscrit: c'est un don des États-Unis d'Amérique, USAID. Un officier de la corvette commandant du coin va inspecter le navire à protéger. Street dragons, you can sell before noon. What the time you come tomorrow morning for that, minister? You understand? From France. No, he will not come. The minister will not come. Will not come, minister. Okay. Les commandos marines arrivent à bord de la corvette avec armes et munitions. C'est des caisses armement. Dans les soutes du bateau, ces hommes s'activent. Mais une attaque de bateau vient juste de se produire. Mon ami et fixeur somalien m'a prévenu par le téléphone satellite. Nous avons un rendez-vous à Hargeisa. Hargeisa, la capitale du Somaliland. Je laisse une petite caméra au commandant de bord au cas où il y ait une interception de pirates et je prends le premier avion pour le Somaliland, le pays qui n'existe pas, qui n'est pas représenté à l'ONU, qui n'existe absolument pas,
qui n'est pas reconnu par aucun pays. Et pourtant, il a des frontières et une police. J'ai rarement vu un avion pareil. Les fauteuils sont complètement démontés. Les gens à l'intérieur se vautrent d'une façon incroyable. L'hôtesse a au moins 60 balais. Elle est russe et parle pas anglais. Bon, arrivé à Argueshah. Mon pote et moi, on tombe dans les bras d'un de l'autre. Direction le centre d'Argueshah, où nous allons pouvoir rencontrer un groupe d'hommes qui vient de Puntland. Ils sont censés venir pour nous faire passer la frontière entre le Somaliland et le Puntland et nous amener voir des pirates. Et ensuite, pouvoir nous ramener en sécurité au Somaliland. Mais bien sûr, il faut payer. Alors direction une maison, enfin un hôtel comme on en voit partout en Somalie. Le lendemain matin, nos contacts arrivent. C'est une rencontre assez bizarre avec ces gens dont je ne parle absolument pas la langue, mais ils ont une bonne gueule. Ouais, ils ont un visage assez franc. Ils ont une bonne gueule. Des discussions s'entament. Je n'y comprends absolument rien. Marshall parle somali avec eux. Et puis d'un seul coup, il se retourne vers moi et il me dit « Ah, là, il commence à parler patois, je vais appeler le patron de l'hôtel. » Le patron de l'hôtel arrive et assiste à la réunion. En fait, voilà, le deal qu'il me propose est celui-ci. 5 000 euros au départ, 5 000 euros quand on rentre. Ok, bingo, c'est parti. À ce moment-là, une longue discussion commence entre ces hommes qui ont l'air absolument ravis. Bon, compréhensible. On va se donner un autre rendez-vous avec ces passeurs dans 3 jours, le temps que nous allions à Djibouti en voiture, prendre de l'argent, revenir, leur donner et pouvoir y aller. Les 3 hommes partent, le propriétaire de l'hôtel vient vers nous. Que se passe-t-il? And then they are trying to win or to get a lot of money easily. Then some of them become a pirates in the sea. Some of them become Ce ne sont pas des gens de confiance. Ce sont des gens qui veulent gagner de l'argent facilement. Ils sont de mèche avec les pirates. Ils sont de mèche avec les gens qui hackent les bateaux en haute mer. Ce sont des gens dangereux. Il nous dit non, il ne faut absolument pas que vous partiez avec eux. Dans leur patois tout à l'heure, un patois que je connais bien, ils se sont dit qu'ils allaient vous livrez pour 40 000 dollars à un chef de gang, à un chef de tribu qui vous monnayera certainement beaucoup plus. Ils ont l'intention de nous garder en otage. Bon. Je crois que cette fois-ci, ça n'a pas été très bon. Nous repartons à Djibouti, mais pas pour y revenir pour l'instant. On va chercher d'autres filières.
et manger un bon steak à Djibouti. Bon, bah écoutez, j'espère que ce récit vous a plu. À bientôt sur ma chaîne. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous. Salut.